Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. L'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimés, le Seigneur nous a amenés encore auprès de vous pour parler d'un sujet, d'un thème vraiment très, 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 très important. Et bien-aimés, nous allons prier avant de continuer. Et nous allons parler de quelque chose de très important. Bien-aimés, ne zappez pas. Restez là sur SS des Adorateurs du Seigneur TV. Nous allons écouter des messages qui viennent de notre Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh, éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais voici encore ici présent devant ton trône, Seigneur, s'humilier devant tes enfants, s'humilier devant toi, pour pleurer, pour demander pardon de tout le mal que nous t'avons offert. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi. Et la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, toi tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous justifier. Tu nous purifieras de ton sang. Seigneur, sanctifie nos cœurs, nos âmes, que l'Esprit Saint ne nous quitte pas, qu'il reste et qu'il demeure, parce qu'il a dit par sa parole, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, assiste-moi et je détruis toute attaque satanique, démoniaque, tout ce que le diable peut organiser pour empêcher que ces messages aillent loin et que tes enfants puissent t'écouter. Je neutralise toutes ces forces et je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare et que mon peuple sera enseigné de moi-même. C'est le moment que tu parles à tes enfants, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Enlève la distraction, les oublis dans ma bouche ou, Seigneur, quelque chose qui peut empêcher. Enlève cela de moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons parler d'un sujet que aujourd'hui c'est tellement fréquent. Et le Seigneur nous a vraiment parlé de ça parce que là, j'ai beaucoup demandé à Dieu. Et pourquoi? Et le Seigneur, vraiment, par son amour, il m'a parlé de cela. Bien-aimés, nous allons parler de l'autisme. Nous allons parler de l'autisme. Nous connaissons l'autisme. C'est une maladie, soi-disant, une maladie qui frappe souvent nos enfants. Nous allons parler de l'autisme et c'est vraiment fréquent à l'Occident et beaucoup de gens peut-être en Afrique qui vont ignorer, mais ici présent en Occident, et nous savons que c'est fréquent, surtout dans la vie de nos enfants. Et le Seigneur m'a parlé plus et m'a amené très loin pour comprendre c'est quoi cette maladie de l'autisme. Et c'est pourquoi je suis venu vous parler de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, avant dans le plus long, je vais vous parler de comment le Seigneur m'a parlé. Comme le Seigneur m'a toujours parlé en prophétie et par des révélations, visions, songes. Et c'est par là que j'ai consommé les messages parce que le Seigneur, notre Dieu, a dû, il nous a dit d'approuver les prophéties. Et comme on a approuvé et que nous avons trouvé que c'est bien, et c'est voilà que nous sommes venus parler à ses enfants. Bien-aimés, c'est quoi l'autisme selon le Seigneur, selon le Saint-Esprit? Je ne suis pas venu enseigner l'Internet, YouTube et Google. Je ne suis pas venu pour Google parler des définitions de Google, cela n'importe pas. Donc moi, je veux suivre ce que le Saint-Esprit m'a parlé. Donc ici, nous parlons des choses qui sont spirituelles. Parce que tout ce que nous voyons physiquement, c'est le spirituel d'abord. Ça commence d'abord par le spirituel et physiquement. Je vais vous rappeler que seulement, je vais juste vous rappeler qu'avant Jésus-Christ puisse venir, à l'époque de la création, de cendres jusqu'à avant Jésus, et à l'époque d'Abraham, à l'époque de David, de Daniel, d'Élie, tous ces Moïse, dans l'époque de ces gens-là, il n'y avait même pas le prière de l'autorité.
Les gens ne faisaient pas de prière de l'autorité. Au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus. Parce que la prière d'autorité est venue seulement après Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus nous a été donné. Comme le nom de Jésus nous a été donné en Jésus, nous chassons les démons. Parce que Jésus-Christ nous a amené son nom, le nom qui est le tout-puissant nom, qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout de l'esprit. Et voilà, c'est par là que nous avons eu la conscience. Apôtre Paul a dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Et donc, c'est par là que nous faisons sur des prières d'autorité. Pourquoi? Parce que les choses sont devenues spirituelles. Avant, à l'époque là, il n'y avait pas de combat spirituel, mais parce que tout leur combat, le combat était physique. Donc, les diables, j'ai des messages sur cela, beaucoup, vous allez beaucoup comprendre, je ne vais pas parler de ça ici, donc je ne vais pas entrer en profondeur. Le diable, il s'incarnait dans des âmes, comme aujourd'hui, il s'incarne dans un peuple, il va combattre Israël. Vous voyez comme les Égyptiens combattaient Israël. Donc c'était le diable en personne, Pharaon représentait Satan. Donc il y avait des choses comme ça physiquement. Mais aujourd'hui, nous, tu ne peux pas voir la personne qui te combat. Mais spirituellement, tu es combattu. Et la chair subit le combat. Mais nous ne voyons pas comment on est combattu. Donc, avant, c'était une personne qui te combat. Donc, le diable s'incarne à cette personne-là. Il devient vraiment automatiquement Satan. Il va te combattre. Comme ça, vous allez vous battre aussi par la main. Vous n'allez pas vous battre dans la prière, mais vous allez vous battre dans la main. Combat était physique, le combat était physique. Aujourd'hui, le combat est devenu spirituel à cause de l'arrivée du Saint-Esprit. Il a empêché vraiment la sortie du diable comme ça. Il a étouffé le diable et le diable opère spirituellement à cause du Saint-Esprit. Mais avant, ce n'était pas ainsi. Je suis seulement parlé de cela superficiel. Je ne suis pas entré dedans, donc, parce que j'aurai des messages sur ça. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé à propos de cet autisme? Bien-aimé, le Seigneur me dit que l'autisme n'est pas une maladie que nous croyons. Bon, c'est une maladie parce que tout ce qui vient du diable, c'est maladie. C'est une maladie. Donc, mais spirituellement, le Seigneur m'a dit, l'autisme, c'est un esprit. L'autisme, ce sont des démons d'autisme. Un démon qu'on appelle autisme. Ce sont des démons d'autisme. Leur nom, vous voyez les maladies que nous voyons là. Ce sont les noms des démons. Les maladies que nous avons donné, les noms au sida, aux tensions, au diabète, au cancer. Ce sont les noms des démons, les noms des esprits. Il y a des branches comme ça. Le Seigneur nous a parlé de ça beaucoup de fois. Il y a les noms. Ce sont les noms là, ce sont des esprits, des gens comme ça, des esprits vivants comme ça. Il s'appelle sida, un esprit qui s'appelle cancer, un esprit qui s'appelle tel, comme vous voyez le nom, comme Pierre, comme Jean. Et c'est comme ça, cancer, c'est un nom de démon. Sida, c'est un nom de sorcier. Oh, corona, c'est le nom de démon. Corona, c'est un nom de démon. Donc, l'autisme, c'est un nom des démons. Il y a des démons d'autisme. Ce n'est pas seulement maladie normale comme nous voyons sans maladie. Je vous ai parlé quand nous entrons dans le brisement de l'autel. Je vous ai parlé comment détruire les autels de la sorcellerie, quand j'avais parlé de la destruction de l'autel. Je vous avais dit que souvent lorsque nous sommes là, nous devons combattre. Nous devons détruire, aller à la profondeur. Détruire nos autels. Je vous avais parlé que si vous voyez des maladies comme ça, qui ne se guérit pas, qui n'a pas de remède, dites-vous que c'est un esprit. Tu ne peux pas les combattre dans les médicaments. Tu ne peux pas les combattre dans l'hôpital. Dans les hôpitaux, non. Cela, ça se combat seulement spirituellement. Dans la prière, dans la délivrance. Comme l'autisme, c'est un démon. C'est l'esprit. C'est un esprit. Et le Seigneur nous a parlé de l'autisme. L'autisme, ce n'est pas seulement ici que nous voyons actuellement, depuis les années 2000, nous entendons parler de l'autisme. Le Seigneur nous a dit que l'autisme a commencé depuis longtemps.
Ça fait longtemps que l'autisme a commencé. Lorsque j'ai fait mes recherches sur Google pour voir à quelle année l'autisme a commencé, mais j'ai compris que là, ils ont parlé de l'année 1943-44. Donc, c'est des années-là que l'autisme a commencé par un psychiatre qui a découvert cette maladie de l'autisme. Vous comprenez que tous ces gens, ce sont des gens de sciences occultes. Donc, il sort de maladies comme ça. Donc, ce sont un démon, c'est le démon qui était jeté dans le monde. Google m'a dit que ça a commencé depuis 1943. Le Seigneur nous avait dit que l'autisme a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. Et voilà comment le Seigneur nous a expliqué, nous a parlé de l'autisme. Nous devons comprendre que l'autisme que nous voyons là, c'est aujourd'hui, c'est vraiment fréquent dans la vie de nos enfants, des petits-enfants. À partir d'un an, tu peux déjà commencer à remarquer les signes de l'autisme. Donc, ce sont des choses que le diable avait déjà préparées. Le diable a organisé cela depuis longtemps. Le Seigneur nous a dit que c'est depuis longtemps. Le diable, c'était des esprits que le diable avait jetés en Afrique. L'autisme, ce sont des esprits que le diable a jetés en Afrique. Cela veut dire, ce sont des démons que le Seigneur appelait les démons nuisibles. Les démons de l'autisme, s'il vient entrer dans ta vie, toute ta vie est détruite. Toute ta vie est détruite. L'autisme, ce sont des démons nuisibles. Ils sont petits, comme le Seigneur nous a dit. Ce sont des petits démons. Mais ils sont très nuisibles. Ce sont des démons nuisibles. Le Seigneur nous a dit que l'autisme, c'est un démon qui vient s'installer dans le corps d'une personne. Le démon qui vient s'installer dans un pays. Que le diable peut jeter les démons comme ça dans un pays, dans le continent d'Afrique. Et vous voyez? Donc, je vais parler vraiment, beaucoup parler parce que je peux développer ça beaucoup, mais je vais rester juste parler plus. Si c'est beaucoup, c'est 35-40 minutes. Donc, je ne vais pas aller loin. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous a dit que, le Saint-Esprit nous a dit que l'autisme, en premier lieu, le diable a servi les démons autisme pour envoyer ces démons-là en Afrique, pour bloquer l'Afrique. Et il a commencé à envoyer les démons-là aussi aux pays africains. Au pays africain. Donc l'autisme a été envoyé la toute première fois, les démons autisme. Leur siège était dans, ce n'était pas encore dans le corps humain, c'était dans le pays. Ils habitaient le pays, c'est eux qui détruisaient le pays. Vous voyez, le monde ancien, comme je vous ai dit avant Jésus-Christ, les diables, ils entraient seulement dans un pays, ils peuvent s'incarner à un roi d'un pays, d'une nation. Il va s'incarner là-bas, il vient vous combattre physiquement. Mais actuellement, ce n'est plus des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, nous allons prendre le livre d'Exode. Comment le diable peut envoyer un esprit à un peuple, un démon à une personne. Vous voyez, tout un peuple, le diable a paralysé tout un peuple, il a détruit tout un peuple, il a envoyé les démons, il a envoyé les esprits pour un peuple comme ça, pour détruire tout un peuple. Allons un peu dans le livre d'Exode, chapitre 1. Nous allons comprendre ça, nous savons, nous connaissons bien l'histoire là, nous le connaissons très bien. Nous allons lire ça à partir des versets, Exode chapitre 1, nous allons prendre à partir des versets 8. La Bible nous dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant. » Vous voyez comment le diable a vu. Il a dit, « Voilà ces gens-là, les Africains-là, ce sont des gens que le Seigneur a aimés. C'est le continent que Dieu a aimé. » Il a tout mis en Afrique. Et ces gens-là sont puissants, ils sont intelligents. Vous voyez comment les diables, ils faisaient. Donc, auparavant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les diables faisaient ça en esprit.
Mais auparavant, le diable s'incarnait aux hommes. Il s'incarnait à quelqu'un. Il s'incarnait dans un pays. Il vient vous combattre physiquement comme ça. Donc, voilà maintenant qu'est-ce qu'il dit. Allons, montrons-nous habillés à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça que le diable envoie les maladies dans tout un peuple, dans toute une nation. Il envoie la maladie comme ça, comme c'était avant. Ces rois ici, les pharaons là, ils disaient, allons, voyons comment les enfants d'Israël sont nombreux, ils sont devenus vraiment. Si nous les laissons comme ça, ils seront puissants. Allons vers eux. Qu'est-ce que nous allons faire? Empêchons-les de pouvoir grandir, de pouvoir être puissants, forts. Empêchons leur croissance. Leur croissance sur tout plan. Sur tout plan. Vous voyez comment le diable, il fait des choses. C'est comme ça qu'il a envoyé l'autisme aussi dans nos pays africains. Il a vu que nos pays étaient croissaient. Il y avait toutes les richesses. Le diable, c'est depuis longtemps la maladie d'autisme. Mais ce n'était pas encore dans le corps humain. Ils n'utilisaient pas encore les personnes. Ils utilisaient tout un pays. Il vient siéger dans un pays, il a envoyé l'autisme et les démons autisme aller dans ces pays-là, aller dans ces continents-là, rester là-bas et détruire les continents. Parce que les gens-là, si nous les laissons comme ça, ils seront forts, ils seront puissants. Nous allons partir petit à petit et nous allons aller plus vite. Donc ici, Pharaon a compris que ces gens-là, ces peuples-là, si je les laisse comme ça, on les laisse comme ça, ils seront de grands, ils seront puissants que nous. Ils vont nous assujettir. Nous n'allons pas les laisser comme ça. Nous devons les détruire. Comment nous allons faire? Écoutez maintenant. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs, des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et les Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Vous comprenez maintenant? Alors, écoutez. C'est pourquoi nous avons vu que le diable a envoyé dans nos pays l'autisme. Lorsque nous voyons les symptômes des autismes, c'est quoi leurs symptômes? Un autisme ne peut pas réfléchir bien. Leurs réflexions sont vraiment en arrière. Ils réfléchissent vraiment, ils ont une petite réflexion. Donc ils sont en retard. Et c'est cet autisme-là que le diable a d'abord envoyé dans nos pays africains. Vous voyez que dans nos pays là, les gens qui sont là-bas, l'Afrique n'a pas de progrès. C'est comme ça un autisme. Donc nous pouvons dire que l'Afrique a un esprit de l'autisme. Cet esprit-là empêche que l'Afrique soit développée. Que la mentalité d'Africain soit plus développée. Ça empêche que l'Afrique puisse grandir d'une façon mentale. Avoir des réflexions, avoir des activités comme ça. Vous voyez, l'Afrique, comme je peux parler dans mon pays, le Congo, notre pays a un esprit de l'autisme. Nous devons prier pour nos pays, pour les sortir de l'autisme. Moi, je viens, quand je mets des messages, le Seigneur m'amène plus profond. Il m'amène ça dans la profondeur. Le Seigneur ne me prend pas dans la superficielle comme ça, mais il m'amène dans les profondeurs pour mieux comprendre la chose qu'il me parle. Donc c'est comme ça. Je vais vous donner aussi des révélations que j'ai reçues par des songes. Bien-aimés, dans notre pays comme moi, je vous parle, mon pays, le Congo, a un démon. L'autisme est dans mon pays. Mon pays subit un esprit de l'autisme. Cela veut dire que mon pays ne peut pas se développer comme ça physiquement. Même si nous combattons, même si nous prenons des armes. Pourquoi? Parce que nous, dans notre pays, nous n'avons pas assez de réflexion. Nous ne réfléchissons pas loin. La maladie d'autisme, les symptômes, c'est comment? Qui ne peut pas, vous voyez, qui ne peut pas agir ou faire ta volonté, être comment? Libre de faire les choix. Libre de langage, de
libre de parler. Vous voyez, non? La liberté de créer, la liberté, comme je vais vous parler, lorsque je vais parler de l'individualité, là, je vais vous montrer, je vais vous vraiment vous faire vous comprendre l'autisme. Vous allez comprendre, ceux qui ont des enfants autisme, ils me comprennent directement. Ils me comprennent directement. L'autisme, tu ne peux pas faire quelque chose de ta propre volonté. Donc, toi-même qui te sens faible, il te faut des aides. Il te faut quelqu'un pour t'aider. Pour t'aider à faire quelque chose. Tu vas te voir, tu seras presque neutralisé. Tu n'auras pas de pensée éloignée. Tu n'auras pas ton mental ne sera pas vraiment au top. Donc, tu auras des retards de tout. Des retards, pas de croissance physique, mais croissance intérieure. Psychologique ou croissance psychologique, décroissance, comme nous vivons au Congo, nous avons les décroissances psychologiques, mentales. Notre pays souffre de l'autisme. Nous avons cet esprit de l'autisme dans notre pays, dans nos pays. Pour que nous réussissions dans nos pays, nous devons appeler les investisseurs. Nous devons faire appel aux investisseurs comme des Chinois, comme les Européens, pour venir développer notre pays. Nous-mêmes, nous n'avons pas la puissance, les powers, de pouvoir développer notre pays. Nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas l'intention de pouvoir nous-mêmes développer notre pays. Nous voulons seulement des aides qui viennent ailleurs. Les démons, les diables ont mis les démons de l'autisme maintenant pour que nous-mêmes, nous voyons pas grand, mais nous nous voyons, hein, un petit, faible, que nous soyons neutralisés par un peuple occidentaux, qu'ils viennent nous neutraliser, que nous écoutons seulement leurs instructions, qu'ils viennent nous commander. Nous n'arrivons pas à prendre des décisions nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à se réveiller, à se révolter. Parce que le diable a mis l'autisme dans nos pays, il a envoyé des démons d'autisme. Et dans nos pays comme ça, le Seigneur m'a dit, voyons lorsque nous avons lu comme ça. Vous voyez que ici aussi Pharaon, il avait envoyé les démons de l'autisme. Il a envoyé ces démons-là pour que les enfants d'Israël n'arrivent pas à comprendre qu'ils étaient sous l'emprise d'un peuple. Ils étaient sous l'emprise d'une nation. Donc ils étaient dominés, ils trouvaient ça normal. Là, on est bien, on est normal, on travaille pour ces peuples-là. Nous devons avoir seulement les instructions, c'est eux qui vont nous donner des instructions, nous allons seulement obéir. Nous ne pouvons pas s'ouvrir, leur intelligence était bloquée. Ils ne peuvent pas réfléchir loin. Ils étaient des gens intelligents. Lorsque nous lisons tout ça, vous allez comprendre que c'était des gens que le Seigneur avait déjà bénis. Les peuples Israël, c'était les peuples bénis de Dieu. Ils étaient déjà puissants, ils avaient tout, mais leur intelligence était bloquée. Ils avaient les retards. L'autisme, c'est quelqu'un qui est en retard. Des réfléchir, problèmes, des raisonner, il n'a pas de capacité, il est limité. Quelqu'un qui ne peut pas parler, même si tu le bats, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas expliquer, il ne peut pas lui-même faire quelque chose où il veut. Les enfants autisme. Ils ne veulent pas manger eux-mêmes. Il faut que tu les nourris. Même s'il est à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, il ne peut pas toucher sa cuillère pour manger seul. Il se sent seulement incapable. Il se sent seulement incapable. Vous voyez, c'est comme ça dans mon pays. Nos pays, nous sommes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Nous devons seulement attendre les Occidentaux venir ici pour nous aider, pour faire, pour bâtir pour nous sortir, pour nous faire montrer de nos richesses. Et ils viennent s'investir, ils volent, et nous sommes là, nous ne réagissons pas. Ils viennent prendre l'autorité, sinon on réagit pas. Donc nos pays souffrent de l'autisme. Et ce sont des démons que les diables ont envoyés. Vous allez voir, chaque pays a un principal. Comment je peux appeler ça? Un
un représentant diabolique, satanique. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce représentant-là, ça dépend de ces démons-là qui dirigent votre pays. Et si ces démons-là, ils viennent dans votre pays, ils vont amener aussi ces petits démons. Parce que les démons ne marchent pas seuls. Par exemple, les démons de la colère. Les démons de la colère, ils marchent avec les disputes. Ils marchent avec les démons des maîtres. Ils marchent avec beaucoup de démons. Donc, ils ne viennent pas seuls. Vous voyez, démons de l'impudicité, ils marchent avec démons de maladie, ils marchent avec démons de vol, ils marchent avec beaucoup de démons. Vous voyez, comme les démons là, quand ils viennent dans votre pays, ils amènent ces petits démons, les autismes là, ils viennent s'installer dans vos pays comme ça. Alors, nous devons sortir de l'autisme dans nos pays. Nous devons sortir. Le Seigneur nous a dit l'autisme peut aussi être aussi dans nos familles. Dans nos familles, il y a aussi des démons autisme. Des démons autisme sont aussi, les diables les envoient aussi dans des familles pour contrôler les familles, pour mettre des familles là incapables. Il y a des familles qui ont des démons de l'autisme. Les familles ne peuvent pas marcher. Les familles ne peuvent pas parler. Quand je dis une famille ne peut pas parler, cela veut dire que ce n'est pas qu'une personne. Il ne peut pas parler, cela veut dire qu'il ne peut pas s'exprimer, se révolter, prendre ses engagements, prendre des charges. Non. Une famille comme ça, personne ne peut bouger. Tout le monde est là. C'est comme si des gens qui n'ont pas d'intelligence, c'est comme si des gens qui n'arrivent pas à marcher, ils ne peuvent pas voyager. Des familles comme ça, ils ont l'autisme. Vous allez trouver que les grands-grands-parents, il n'y avait pas des gens qui ont travaillé, il n'y avait pas des gens qui parlaient, ils sont mous, les familles là qui n'ont pas de progrès. C'est les démons de l'autisme dans nos familles. Nous devons aussi détruire ces démons-là. Et maintenant, lorsque le diable a utilisé les démons autisme dans un pays, dans notre continent africain, et avant, on n'avait même pas l'intention, on n'avait même pas l'idée qu'il y avait une maladie qu'on appelle l'autisme. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore dans les corps des humains. Les démons, là, utilisaient seulement nos pays, ils utilisaient seulement nos familles. Or, au fur et à mesure, le temps passe, les époques passent, les diables disent non. Pourquoi pas seulement? Pourquoi laissons les autismes, les démons autismes là seulement dans le pays, dans nos familles, dans leur famille? Nous devons aussi entrer dans la vie de leurs enfants. Dans la vie de leurs enfants. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc ce n'est pas longtemps que le diable a mis l'autisme dans la vie de nos enfants. Donc c'est à partir de l'année 1943 là où cela a été découvert par un homme là. Si c'est Kanner, la Kanner, I don't know, Kanner. Donc cet homme Kanner, c'est lui qui a découvert première fois l'autisme à un enfant. C'était un psychiatre. C'était un psychiatre. Donc il a découvert la maladie d'autisme à un enfant. Donc c'est par là. Et le diable a commencé maintenant à faire entrer les démons de l'autisme dans la vie des enfants. Et ce que le Seigneur nous dit, aujourd'hui ça devient fréquent. Beaucoup d'enfants ne parlent pas. Beaucoup d'enfants, ils ont le problème de l'autisme. Un enfant qui ne réfléchit pas correctement, excusez-moi. Un enfant qui a de l'incapacité. Un enfant qui a des problèmes mentaux. Un enfant qui ne peut jamais être focus à quelque chose. Un enfant qui est toujours distrait. Qui ne peut pas se focaliser à quelque chose. Qui ne peut pas être indépendant. Toujours dépendant des mamans. Aujourd'hui, l'autisme est entré dans la vie de nos enfants. Bien aimé, ça fait très mal. Le diable, pourquoi il a fait entrer l'autisme dans la vie de nos enfants? Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu, nous allons comprendre pourquoi le diable a fait entrer maintenant dans la vie de nos enfants l'autisme.
Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous allons lire Matthieu, chapitre 2. Nous allons commencer au verset 7, excusez-moi. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Voilà comment le diable fait. Le diable, il fait comme ça. Il s'assoit, comme on a lu au livre d'Exode. Le diable s'assoit, il convoque des réunions comme ça. Est-ce que vous voyez comment le monde est en train de passer? C'est comme ça que le diable, chaque année, il multiplie les stratégies. Chaque année, il crée des choses, des histoires. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été déjà avant. Et avant, c'était physique comme ça. C'était physique. Il y avait le combat physique. Ce n'était pas spirituel. Aujourd'hui, c'est spirituel. Nous ne pouvons pas voir comment le diable fait. Mais c'est que le Seigneur, il y a des gens que le Seigneur ouvre les yeux spirituels pour voir comment le diable se réunit avec ces gens. Le diable fait des réunions. Moi, le Seigneur, il me parle beaucoup des réunions sataniques. Il me dit, aujourd'hui, Satan, le diable avait une réunion avec tous ses démons. Le diable avait une réunion avec tous les francs-maçons. Donc, le diable, il fait des réunions comme ça. Chaque fois. À chaque fois s'il fait quelque chose, il voit qu'il va encore rajouter, et bien il va multiplier, il va agrandir la chose qu'il avait fait avant, il va convoquer ses gens pour parler de ce qu'il va faire. Ici nous voyons que le roi Hérode a convoqué les mages. C'est comme ça que le diable convoque les démons. Venez un peu, nous allons s'entendre. Est-ce que vous ne voyez pas vraiment? La maladie de l'autisme, là, c'était dans les pays seulement, dans les continents d'Afrique, dans leur pays. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que ça aille entrer dans les individus. Que ça aille toucher l'individu, la personne. Pourquoi nous devons faire ça? Écoutez pourquoi le diable va faire ça. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Elle s'acquit soigneusement. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Voilà. Le diable, Hérode a fait appel aux mages. Il a dit, depuis combien de temps vous avez vu l'étoile de Jésus là? Donc, il ne savait pas que c'était Jésus. Parce que les mages l'ont dit que l'étoile là qui brille là, cela veut dire un sauveur vient de se naître. Un roi qui vient de se naître maintenant. Parce que l'étoile là nous dit que l'étoile là nous signale que c'est une étoile du roi. C'est une étoile du roi. Un roi qui vient de se naître. Et c'est comme ça là, Hérode en fait un soir ses mages pour lui dire que combien de temps vous avez vu l'étoile là? Ça fait combien de temps passé déjà vous avez vu l'étoile là briller? Vous voyez? C'est comme ça les diables font. Parce que lui, le diable ne peut pas voir. Il n'est pas partout, comme je vous ai toujours dit, que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Donc, il attend seulement des nouvelles par les personnes qu'il a mis en place. Par son gouvernement, il a mis en place la terre pour prendre les informations, les amener. Et c'est comme ça que lui, il prend les informations. Il est là où il est, il prend les informations. On vient de dire que vous voyez l'autisme là, Satan, le maître, tu vois, nous avons donné les autismes, la maladie, les démons autisme là, ils agissent bien en Afrique, dans le pays des Congo, du Togo, du Cameroun. Ils sont là, les démons là sont en train d'agir. Maintenant, nous trouvons que ce n'est pas seulement comme ça, nous ne pouvons pas rester comme ça. Ça doit entrer aussi dans les individus. Tu vois, c'est comme ça, lui, il prend les informations. Il peut demander comment vous trouvez le monde, comment marche le monde, comment les démons vous agissez, comment l'autisme, démonisme, quel est ton travail, qu'est-ce que tu fais actuellement, c'est comment. Et c'est comme ça qu'il tire les informations et il donne une nouvelle news, une nouvelle décret, il va signer de nouveaux décrets, il va faire de nouvelles lois pour maintenant mettre des choses en place. Puis il les a envoyés à Bethléem, en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits-enfants, sur les petits-enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi avoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous voyez les risques des diables. Vous voyez comment le diable est risé. C'est ça, le diable s'incarner aux gens.
Le diable, il était comme ça, il sortait vraiment en personne dans le corps humain. Il entre, il s'incarne dans un roi comme ça. Et puis, il fait des choses que le diable fait. Bien-aimé, c'est sérieux. Alors, c'est comme ça qu'il envoie les mages aller un peu espionner là-bas. Aller voir cette étoile-là. Si qu'est-ce qui se passe, allez voir si le roi là est vraiment né. Moi aussi, je vais aller l'adorer. C'est comme ça qu'il est le diable, le rusé. Il est rusé. Et vous, les gens là qui servent les diables, vous êtes les hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Vous allez servir les diables. Vous croyez que les diables vont vous acclamer un jour. Il va vous donner des récompenses. Les diables ne récompensent personne. C'est comme le roi Hérode. Il disait aux mages, allez voir. Quand vous allez venir me donner l'information, moi je vais aller l'adorer. C'est comme ça que le diable, il ment aussi aujourd'hui. Vous les francs-maçons, répentissez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous les francs-maçons. Vous, les gens de science occulte, vous êtes des personnes créées par Dieu. Répentez-vous. Vous ne devez pas servir les diables. Laissez les diables avec ces démons qui étaient descendus là du ciel, là, j'étais là. Qu'ils soient seulement entre eux. Vous, vous êtes des gens que le Seigneur a créés. N'allez pas s'introduire dans les trucs des diables, des démons, de Satan. Les Satan est en train de vous mentir qu'un jour, quand le monde va passer, nous allons vivre la gloire. Vous n'allez pas vivre la gloire avec Satan. Satan va vous détruire lorsque vous allez mourir. Il va vous détruire. Il va se moquer de vous. Parce que vous, vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est comme ça le roi Hérode disait, allez-y voir, moi aussi je vais aller l'adorer. Comme le diable est en train de mentir à beaucoup de gens. Détruisez votre vie. Détruisez la vie de ta mère. Détruisez la vie de ta maman, de ton papa. Détruisez la vie de ton frère, de ta sœur. Si tu détruis la vie de celui-là, moi je vais te donner comme ça. Tu seras roi, tu seras comme ça. Le menteur, il a été menteur depuis la création. On l'appelle le père des mensonges. Et c'est comme ça que les diables, aujourd'hui, ils envoient les démons de l'autisme dans la vie de nos enfants. Ils voient les toits de nos enfants. Ce n'est pas à tous les enfants qui ont la maladie autisme. Parce que les enfants, là, ce sont des enfants qui ont les toits qui brillent. C'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous a dit. Vous voyez votre enfant souffrir de l'autisme parce que le Seigneur a déposé quelque chose de plus puissant. Il a les toits de servir l'Éternel. Ce sont des enfants qui doivent servir l'Éternel. Le diable a détruit leur vie. Le diable est venu détruire leur vie. Mais la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent. La Bible nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent. Ne pas avoir peur. Ne crains rien parce que ton fils ou ta fille est autisme. Le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Même quand bien même le diable est venu dérober, détruire et égorger. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Parce que le diable a vu le toit de votre enfant. Il a vu le toit de ton fils. Dès qu'il est sorti, comme il avait vu les toits de Jésus, mais il n'y avait pas moyen d'arrêter les toits de Jésus. Parce que lui, il est le roi des rois. On ne peut jamais l'étouffer. Et parce qu'il a vu les toits de ton fils, de ta fille, briller. Parce qu'il a vu que le Seigneur a mis les dons du service de Dieu dans lui. C'est pourquoi le diable a mis les démons, l'autisme est allé s'asseoir dans la vie de ton enfant. L'autisme ne peut jamais s'éterminer dans le médicament de l'hôpital des médecins. Parce que jusqu'à présent, même le médecin, il ne sait pas d'où ça vient. Je vous ai dit que toute maladie, toute maladie qui n'a pas le débit, ni on ne peut pas comprendre d'où ça vient, c'est là, ce sont maladies démoniaques. Ce sont des démons, ce sont des esprits. Tu dois te lever seulement dans la prière. L'autisme se termine seulement dans la prière. L'autisme ne peut pas se terminer dans les thérapies. Écoutez-moi, la thérapie là, ça fait aussi que ce sont des stratégies diaboliques. Et c'est lui-même qui donne la maladie, c'est lui-même qui a créé aussi les thérapeutes.
Le diable a mis les thérapeutes en place pour aller amener vos enfants. Ils vont leur faire entrer encore des démons là-bas, malgré qu'ils vont parler seulement, mais il a encore ajouté parce que le diable, lui, ne guérit pas. Alors, la vraie solution, c'est la prière. L'autisme ne se guérit que par la prière. Écoutez la révélation que le Seigneur m'a montrée. Le Seigneur nous avait dit un jour, lorsque nous avons prié, on priait pour notre pays, le Congo, je vais parler de ça. Nous avons eu 21 jours de prière pour le pays, le Congo. Le Seigneur nous avait ordonné, recommandé. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes entrés, le Seigneur nous avait dit de ne prier à nous, que nous prions, que nous ne prenons pas d'autres sujets, seulement le Congo. Et c'est par là que nous avons prié seulement le Congo. Le Seigneur dit, priez seulement pour le Congo. Priez pour le Congo. Moi, je vais m'occuper de vos vies. Je vais m'occuper de vos familles. Je vais prendre soin de vous. Un jour, lorsque j'ai dormi, je me suis retrouvée dans mon rêve là, je me suis retrouvée quelque part en Afrique, à la commune de Selembao. Et c'est là où je me suis retrouvée. J'étais dans la famille, dans une famille. Là, j'étais avec mon mari. Et je me suis souvenu que oui, mon fils est resté à la maison chez moi. Il n'y avait personne pour lui, il dormait. Je me suis souvenu que mon fils il dormait. Je dois aller vite quand il va se réveiller. Il ne va pas me trouver, il ne va pas trouver mon mari. Il sera seul. Je dois me précipiter pour aller chercher mon fils parce qu'il était resté seul. Et c'est de là où j'ai commencé à courir pour aller chercher mon fils. Je partais, je courais avec mon mari. Je courais. Mon mari est passé, il est passé vite, plus vite que moi. Il m'a précédé. Moi, j'étais là, je courais. Arrivé quelque part, je me suis retrouvé dans un enclos. Dans une clôture. Mais la clôture n'était pas clôturée par un mur. Il n'y avait pas de mur comme ça construit, bâti, un mur, non. C'était juste une clôture d'un fil. C'était juste un fil aussi de tissu. Un fil de tissu comme ça, là. Tissu comme ça. Et puis, c'était clôturé comme ça, un fil. Je me suis retrouvé dedans, dans cette clôture-là. Ah! Mais, j'ai reconnu la personne qui était là. J'ai reconnu la personne qui était chef de cette prison-là. Chef de cette clôture-là. Qui encadrait les gens qui étaient là. Donc, dans cette clôture-là, il y avait des chèvres, des personnes déguisées en chèvres qui ne pouvaient jamais traverser la clôture-là. Donc, ils étaient enfermés dans ces quatre coins de ces clôtures-là. Ils ne peuvent pas traverser. C'était des personnes qui même transformées en chèvres. Et il y avait cette femme-là qui était assise dans sa chaise qui maintenant contrôlait l'endroit-là. Et moi, je suis retrouvée là-bas. Et quand je me suis retrouvée là-bas, je voulais maintenant passer, traverser le fil là, la clôture là, pour aller, pour continuer mon chemin, parce que je pourrais, pour continuer mon chemin. Mais là où je voulais passer, vous voyez, ici, il y a la limite. Et moi, je suis ici. Je suis devant la limite là. Je voulais passer. À chaque fois que je vais passer comme ça, je vais passer, il y avait aussi un garçon à côté de moi. Mais ce garçon-là était autisme. Il avait la maladie d'autisme. Et c'était un garçon environ 20 ans, 20 à 23 ans, jusqu'à 23 ans. À partir de 18 à 23 ans. C'était la corpulence comme ça. Un garçon, vous voyez, l'autisme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il marche, il fait comme ça. Il est comme ça. Il n'est pas focalisé. Il fait comme ça seulement. Il est comme ça en train de. Il était seulement là, à côté de. Il voulait traverser, mais comme il a l'incapacité, comme les autistes, ils ont de l'incapacité de pouvoir faire quelque chose d'eux-mêmes. Donc, ils n'arrivent pas à affronter, à réagir eux-mêmes. Il faudra que quelqu'un puisse pour l'aider à passer. Donc, il fallait quelqu'un pour l'aider, la personne là, les garçons là, puissent passer. Donc, les garçons-là étaient seulement, ils ne comprenaient pas les filles-là, c'est quoi. Ils voulaient maintenant traverser, aller de l'autre côté, mais comme il a l'autisme, il est incapable de faire sa volonté. Il ne peut pas faire sa volonté à lui. Et moi aussi, j'étais là, voulant passer. Mais la femme qui surveillait l'endroit-là, elle me disait comme ça, « Toi, c'est pourquoi je ne t'aime pas, parce que je connais la femme. » Elle dit, c'est pourquoi moi je ne t'aime pas. C'est pourquoi moi je ne t'aime pas. Parce qu'à chaque fois, tu fais seulement sortir des gens ici.
Tu fais seulement si tu viens, tu passes ici, tu fais sortir des gens ici. Il faut laisser mes gens là ici. Il ne faut pas faire passer cet enfant-là. Il ne faut pas faire passer cet enfant. Il ne faut pas qu'il traverse l'endroit-là. Il faut passer toi-même. Il ne faut pas faire passer les garçons-là. Et puis moi, j'étais là. Si je sors, je voulais sortir comme ça. Les garçons-là aussi voulaient sortir avec moi. Oh, je sais ça sortir. Les garçons-là aussi voulaient sortir avec moi. Maintenant, moi, je disais, ah, si les garçons-là sortent avec moi, la maman-là va crier sur moi. Et il sera en colère contre moi. Comment je vais faire? Je cherchais maintenant comment sortir pour que les garçons-là ne puissent pas sortir. Or, la volonté de Dieu était que la personne-là soit délivrée. Donc, je délivrais le monde. J'ai délivré l'autisme. Le Seigneur m'a fait montrer que moi, j'ai délivré la maladie, les démons d'autisme là. Je l'ai délivré. Toutes les personnes autistes sont délivrées. Le Seigneur m'a montré que vous pouvez être délivrés. Et la grâce du Seigneur est sur moi pour délivrer la maladie de l'autisme, pour enlever le démon et guérir les cœurs brisés. Et c'est par là, je me suis percée et je suis sortie. Quand j'ai sorti, et puis les garçons là aussi est sorti avec moi. Alléluia. Nous acclamons Dieu. Les garçons là qui étaient enfermés dans l'autisme, il était enfermé dans ces liens là, dans la prison de l'autisme. Il était là dans le prison. La maladie vous en prie. Elle a enfermé votre enfant. Votre enfant était enfermé dans la prison. Mais le Seigneur a délivré. Il a délivré la personne là. Quand moi je suis sorti de cet enclos là, je me suis sorti et la personne là, les garçons là qui cherchaient aussi à sortir, il était là tout autour là. Il est aussi sorti avec moi. Je suis sorti avec lui dans cet enclos là. Nous sommes maintenant libres, nous sommes libérés. Et la maman là qui était là, elle a dit, tu vois maintenant. Il commence à crier, tu vois pourquoi je ne t'aime pas. À chaque fois tu viens sortir mes prisonniers, tu viens sortir mes prisonniers. Voilà comment tu as fait passer cet enfant là. Voilà comment tu as fait passer ces garçons-là que moi j'ai gardé ici. Voilà comment il est sorti. Bien aimé, il est sorti. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, le Seigneur me parle maintenant de la prophétie. Il me parlait de l'autisme. Il a dit, je guéris votre famille de l'autisme. J'ai guéri les autismes. Il a commencé à m'expliquer, comme je suis en train de vous dire comme ça. Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Voilà comment j'étais délivré. J'ai délivré ta famille. J'ai délivré votre pays de l'autisme. J'ai délivré votre nation de l'autisme. J'ai délivré les familles de l'autisme. Pète de prière. Prions pour que les autismes soient guéris. C'est une maladie que le Seigneur lui seul qui peut guérir. Ce ne sont des démons, ce sont des esprits démoniaques. Ce n'est pas les médecins qui vont guérir, ce n'est pas la thérapie qui vont guérir, mais c'est un esprit. Ça doit être guéri par les jeûnes et les prières, par la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous voyez que ce sont des enfants bourrés de capacités, les enfants intelligents, les enfants remplis de l'intelligence. Les enfants doués, et les étoiles qui éclairent, ce sont des enfants qui sont appelés à Jésus pour travailler pour le royaume de Dieu. Et le diable a vu. Avec son réunion, il était en réunion, il a dit non, nous ne devons pas se limiter seulement à bloquer tout un pays. Parce qu'il y a des particuliers dans le pays où ils ont l'étoile. Les étoiles, un jour, ça va s'éclater dans le monde. Un jour, ça va s'éclater. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant aller déposer les démons de l'autisme dans leur vie. Comme ça, qui ne réfléchit plus, qui ne travaille plus. C'est pourquoi vous voyez vos enfants avec l'autisme. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas réfléchir loin. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont bloqué leur bouche un jour. J'ai rêvé, j'ai vu un enfant comme ça, isolé. Mon pasteur a vu un enfant isolé, pardon. Donc, un enfant isolé et sa bouche était bloquée. C'était l'autisme. Donc, ils ont bloqué leur bouche pour ne pas parler de Jésus. L'autisme, là, le diable a mis dans nos enfants pour que les enfants ne parlent pas de Jésus. Nos enfants n'arrivent pas à parler de Jésus. Parce que nos enfants, là, qui ont les autismes, ce sont des prophètes, des grands prophètes. Ce sont des grands prophètes. Ce sont des grands pasteurs. Ce sont des grands évangélistes. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Ce sont des présidents de nos pays. Ce sont des gens, des explorateurs de nos pays. Et les diables les ont bloqués dans les maladies autisme. Ils ont enlevé la réflexion. Ils ont enlevé l'intelligence. Il a effacé à nos enfants tout. Mais la grâce, on ne peut pas effacer cela.
Écoutez ce que Pharaon a dit. On va tuer tous les enfants, mais il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas, des gens comme des Moïse. Même si les lois sont établies, même s'il y a des lois qui sont établies, il y a des enfants comme Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va empêcher la maladie là. Même si ça a déjà entré dans la vie de ton enfant, n'aie pas peur. Moïse était déjà rejeté dans l'eau. Il n'y avait plus d'espoir. Moïse était déjà dans l'eau. Sa mère l'avait déjà abandonné. Son père même, on n'a pas parlé de lui. Il n'y avait plus d'espoir. Sa mère savait que mon fils allait seulement mourir. Mais le Seigneur Jésus s'est levé pour lui. Le Seigneur me dit, l'autisme, ce n'est pas seulement chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Chez les adultes aussi. Il y a les adultes qui ont aussi l'autisme. J'avais vu ces garçons-là, c'était un garçon. Et vous allez dire que l'autisme, comme il est papa, la maladie de l'autisme a aussi les papas, les mamans. Ils ont aussi la maladie de l'autisme. Vous allez voir qu'un homme ne réfléchit pas bien. Tu lui parles comme ça, lui fait comme ça. Il ne te comprend pas. Il est toujours seul. Il aime seulement rester seul. Il n'a pas envie de se marier, même s'il est marié. Il est marié à une femme. Il ne parle pas avec cette femme-là. Il a des problèmes de parler. Les problèmes de discuter avec quelqu'un. Il est seulement seul. Il cherche à être seul. Il fait que réfléchir seul. Et ces réflexions, si tu attends ces réflexions, tu vas, ah ça c'est un enfant ou bien c'est un adulte. Tu ne comprends pas. Il y a des hommes mariés mais en autisme. Ils sont autisme. Ils sont nombreux dans ces pays ici, dans l'Occident ici. Il y a des maladies d'autisme avec les grandes personnes. Bien aimé, partagez ces vidéos. Nous allons faire des prières pour l'autisme. Nous allons lutter contre ces démons de l'autisme. Nous allons détruire les démons de l'autisme. Trop, c'est trop. Dans la vie de nos hommes, la plupart, le Seigneur nous a dit, ce sont les pays où il y a l'alliance avec les diables. Les grands-parents ont fait alliance. Quelles sont ces alliances-là? Ils ont fait les alliances pour sacrifier les premiers nés des familles. Et c'est par là que le démon autisme, il vient. Parce que les diables, ils entrent seulement là où il y a l'alliance. La plupart des familles où ils ont sacrifié les enfants. Et vous allez trouver dans une famille, les grands-grands-grands-parents, ils ont sacrifié toute la génération. Ils ont dit que tous les premiers nés, ils ne seront pas intelligents. Et c'est par là aussi que le diable a mis la maladie de l'autisme dans ces familles-là. Vous allez trouver que les familles-là, il y a des autismes, mais beaucoup, beaucoup de gens sont autistes. Parce que le diable a trouvé l'alliance là-dedans. Ils choisissent seulement les enfants, les premiers nés. C'est la plupart des premiers nés. Et la plupart, ce sont des gens intelligents. La plupart, ce sont des couples qui sont mariés légalement, qui subissent l'autisme dans leur foyer, dans la vie de leurs enfants. La plupart aussi, ce sont des couples, même s'ils ne sont pas encore mariés. Déjà, le couple là est à la volonté de Dieu. Et c'est par là, le diable aussi vient mettre les démons de l'autisme pour empêcher que les enfants là, parce qu'ils sont nés dans la volonté de Dieu, il a empêché que ces enfants là soient des adorateurs du Seigneur demain, qu'ils adorent le Seigneur demain, qu'ils soient des grandes personnes, qu'ils soient des personnes, des serviteurs de Dieu. La plupart ce sont des garçons, comme vous lisez toujours dans la Bible. Le diable se sert seulement de les écritures. À l'époque de Moïse, c'était les garçons. Beaucoup de garçons subissent l'autisme. Pourquoi? Parce que les diables, ils regardent plus les garçons. Les chefs de famille, les hommes dans les foyers, les papas. Parce qu'ils savent que ce sont les garçons qui deviennent les pasteurs. Ce sont les garçons qui deviennent les prophètes. Et qui vont prêcher la bonne nouvelle. C'est autorisé pour eux. Ce sont les garçons qui viennent des présidents des républiques, qui viennent des ministres. Beaucoup, ce sont des garçons. C'est pourquoi lui aussi, il a choisi des garçons. Il a choisi des garçons. Ce sont des garçons qui dirigent les foyers, les familles. Ce sont les papas. Et c'est comme ça qu'il a détruit les garçons. Et c'est comme ça que Pharaon aussi a détruit les garçons. Parce qu'il savait que si les garçons grandissent, ils seront plus forts. C'est eux qui vont combattre. C'est eux qui vont... ils vont combattre contre nous, ils vont nous tuer, ils seront forts parce que les femmes ne vont pas à la guerre. En temps de Jésus, ce sont les garçons parce qu'ils savaient qu'un roi, ça pourra seulement être un garçon, ça ne sera pas une femme. Et ce sont les garçons qui sont plus visés
dans ces démons de l'autisme, ce sont plus des garçons qu'ils ont visés. Le Seigneur dit, ce sont plus des garçons parce que le Seigneur a mis des choses dans la vie des garçons, dans la vie des hommes. Il a mis des talents plus que peut-être des femmes. Parce que les hommes sont des chefs de number one de la famille. C'est ça, il veut détruire les hommes, les garçons. Et bien aimé, le Seigneur, tu dois t'élever. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des prières et des jeûnes. Faisons des sacrifices. La Bible dit qu'il y a une sorte de démon qui ne peut sortir que par des prières et des jeûnes. Je ne vais pas lire ça. Des sortes, ces gens de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. Toi, tu combats l'autisme comment? Toi, tu crois que c'est petit prières là que tu fais? Non! Ce n'est pas des petites prières que tu fais là. Le Seigneur nous a dit que ce sont des démons petits, mais très, très nuisibles. Ils ne quittent pas. Voyez comment l'Afrique, depuis qu'il était possédé de l'autisme, combien d'années? Depuis que l'Afrique était Afrique, depuis que mon pays Congo était Congo, depuis là, les démons autisme. Et là, ce sont des démons nuisibles qui prennent toute une vie d'une personne. Toute une vie d'une personne. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, le diable va ravager ta famille. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois faire des sacrifices à Dieu. Tu dois faire des prières, des jeûnes et des prières. Des prières violentes. Des prières de déclaration. La Bible nous dit dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, chapitre 91. En français de chez nous, on dit 91. Les Français de chez nous, 91, psaume 91. Français de France, psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas rappeler à Dieu. Tu dois rappeler à Dieu, Seigneur, moi je demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que le Seigneur fait à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Il fait quoi? Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, un bouton bouclier, il cuira. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 enfants tombent de l'autisme à ton côté, 10 000 d'autisme à ta droite, ton fils ne sera jamais atteint, même s'il est atteint, bien-aimé dans le Seigneur. Dit Seigneur, moi je déclare, même si mon fils ou ma fille est atteint, mais moi je parle, je suis en train de déclarer. J'enlève ces démons-là à moi. J'ignore les démons de l'autisme qui est dans la vie de mon fils. J'ignore. J'ai dit, mon fils ne sera pas atteint. Mais la prière de la foi, c'est comme un fou, une folle. Même si la maladie est dans ton corps, déclare que ça n'y est pas. Dis, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mon fils ou ma fille ne sera pas autisme. Et lisez ça, tout le verset, tout le chapitre, là, vous allez voir. Vous allez voir que dans le livre des Nombres, au chapitre 22, verset 1 à 6, là aussi, on voit que Balak voulait maudire le peuple Israël. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'Israël il y avait la puissance de Dieu en eux. Balak voulait réduire les peuples d'Israël. Il a envoyé les gens aller espionner Balak pour dire que va maudire le peuple d'Israël. Il y a des gens comme ça, le diable est là, il envoie les démons. Maudissez-nous le peuple là, maudissez-nous les enfants là, maudissons-nous la famille là. Allons maudire la famille là, qu'il souffre de l'autisme. Mais toi, moi j'ai dit, c'est lui qui a encore la vie. Il y a l'espoir pour tous ceux qui y vivent. Le Seigneur va te délivrer de cette maladie. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Ce n'est pas la thérapie qui va enlever cela. Parce que c'est un démon. Le diable va t'envoyer en thérapie parce qu'il va introduire d'autres choses là-bas. Dans la vie de tes enfants. Il va encore introduire. Toi, tu crois que mon enfant parle maintenant. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans ton enfant. Parce que le diable ne peut pas combattre Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Il va au féticheur pour enlever la maladie. Il enlève, il ajoute encore autre chose. Il met encore, il va remplacer encore. Et c'est comme ça. Or, avec Dieu, il y a l'espoir. La Bible nous dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom du Seigneur. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues.
Même s'ils boivent de l'abreuvage mortel, tu vois, non? Même si l'autisme est déjà entré, tu ne mourras pas de cela. Ton fils ne va pas prendre ça pendant longtemps. Et vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Nous allons prier pour les malades de l'autisme et nos enfants seront guéris. Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur me donne encore la chance de pouvoir passer encore, je vais encore parler de cela. Et ajouter de ce que je n'ai pas dit, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous prions pour clôturer. Priez l'Éternel, le Seigneur va délivrer nos familles de l'autisme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour ces bons moments que nous avons passés. Merci pour le fait de ces messages que je donnais à tes enfants. Comme tu avais voulu, cela est passé. Merci papa, parce que tu vas aider beaucoup de familles. Beaucoup de familles seront délivrées encore de ces messages. Comme tu avais délivré cet enfant-là dans mon rêve, tu vas aussi délivrer beaucoup de familles. Nous couvrons ces messages par ton sang. Que ces messages soient couverts de ton sang au nom de Jésus. Les diables ne verront pas, ils ne verront pas ces messages. Et personne ne va voler ce que le Seigneur a déjà mis dehors et sorti. Et tous tes enfants vont écouter ça et ils seront délivrés. Par le nom de Jésus-Christ, je couvre tous les enfants autistes. Je prie pour tous les autismes de ce monde. Tous les enfants qui ont les démons autisme dans leur cœur, dans leur vie. Je les chasse maintenant par le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Je les chasse. Sors l'esprit de l'autisme dans la vie de nos enfants. Sors quand tu as été vaincu à Golgotha. Tu n'as pas de pouvoir dans la vie de nos enfants. Comme le Seigneur avait délivré dans mon rêve, là, l'autisme, les démons autisme est sorti. Surtout dans nos pays. Surtout dans notre pays africain, dans nos pays africains. Le démon autisme est vaincu en Afrique. Il est vaincu dans nos familles. Il est vaincu dans nos maisons. Il est vaincu dans nos vies de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons tous les enfants autistes. Aujourd'hui même. La Bible dit déliez-les, laissez-les aller. Seigneur, tous les enfants sont déliés de l'autisme. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui va recevoir ces messages et qui va écouter cette prière, quel que soit l'autisme de sa famille, dans sa vie, cela va quitter son corps. Au nom de Jésus, par la foi, j'ai ainsi prié. J'ai dit amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous découragez pas. Ne découragez pas surtout. Prenez vos forces. Marchez dans la victoire. Et sachez que le Seigneur est toujours vainqueur. C'est lui qui se croise avec Jésus. Il n'y a pas d'échec. Tout celui qui met sa confiance à Dieu, le Seigneur ne laissera pas comme ça. Et le Seigneur délivre toujours, quel que soit. Il y a d'autres maladies qui viennent pour donner la gloire à Dieu. Le Seigneur va te délivrer et il va délivrer ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.